Invité à se prononcer sur certains faits d'actualité, dont la libération du syndicaliste Laurent Métognon et le processus électoral en cours, Maître Aboubacar Baparapé a dénoncé une certaine impartialité de la justice béninoise et une gouvernance empreinte d'autoritarisme du régime en place. Le consultant politique estime que l'homme de droit est bel et bien convaincu de ce qu'au Bénin, la gouvernance du chef de l'État ne dénote en rien d'une dictature. Tu es avocat, bon, tu as plaidé dans une cour, tu as perdu, tu trouves que c'est l'arbitraire alors que tu as plaidé, donc ça poserait un problème. On n'est pas en dictature, et tout le monde doit le savoir. Et notre discipline et notre attachement à l'État de droit devait nous amener à savoir qu'on n'est pas en dictature. Que particulièrement n'a posé aucun acte hors la loi, hors ce que la Constitution a prévu. Mais si les autres n'avaient pas le courage d'aller au fond, et lui se donne ce courage, c'est pas pour lui-même. Je pense honnêtement et simplement que nous devons plutôt soutenir. Je dis soutenir parce que ce qui se passe est une révolution. Selon le consultant politique, la notion de la légitimité n'a pas de sens au Bénin, ce qui est bien déplorable. Nous avons fait l'option de ne pas renforcer l'adhésion populaire en dehors de ce que la loi a prévu. Il faut que l'on s'en tienne à ça. L'état de droit au Bénin, ses forces restent à la loi. Le consultant n'a pas estimé de créer des verrous partout, notamment lors des élections. Et donc, votre question de légitimité passe de côté. C'est-à-dire que l'autorité est légalement en place. Tête à tête, la semaine écoulée entre Boni Yayi, président d'honneur du Parti Les Démocrates, et les têtes de pro de la formation politique. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont suscité des réactions et ont laissé entrevoir que l'ancien président est toujours aux côtés des cadres de son parti, malgré ses nouvelles fonctions de médiateur de la crise guinéenne. Cette sortie n'était pas anodine. Elle était bien préparée, elle a un objectif, même si c'est de son droit. Et que ça paraît normal aussi, et c'est même naturel, qu'en pareil moment, que le président d'honneur reçoive les ambassadeurs du parti, ceux qui font gestion. Mais on n'est pas quand même à la veille de la campagne électorale. On ne va pas nous en vouloir. Et si on dit également que, bon, quelque part, il y a une petite arrière-pensée quand même. Hein. Il y a une volonté de montrer qu'on est encore là et qu'il fallait qu'on compte avec soi. Et donc, c'est-à-dire, Boni Yayi est toujours là. Il est sur le champ de la médiation ouest-africaine, mais il est encore président d'honneur du Parti Les Démocrates, et donc il ne veut pas laisser ce parti orphelin. Agapit Napoléon Maforik estime que Boni Yayi devrait amener ses acteurs politiques à voir l'avenir autrement, à construire le Bénin dont il rêve. Alors, en 2060, c'est-à-dire les centenaires du Bénin, nous devons avoir des objectifs. Ce n'est pas avec ce boulot qu'on va faire en 2060. Ce n'est pas avec Patrice Talon qu'on va faire en 2060. Ce n'est pas avec Boni Yayi qu'on va faire 2060. Il faut construire 2060 aujourd'hui. Avec eux, le programme 2060, par exemple. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on bâtit 2060. Et là, ça fait partie de ça. C'est l'analyse à faire pour savoir où se positionner. La campagne va demander, chacun saura quel mécanisme il va utiliser. Et je reviens encore pour dire, si Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans, est conséquent envers lui-même, est soucieux du Bénin de demain, un Bénin qui prospère, qui peut laisser. Et en disant, j'ai fait ma part, je n'ai peut-être pas tout réussi, mon prédécesseur a fait sa part, peut-être qu'il n'a pas tout réussi. C'est ça, je pense qu'il y a une posture qui doit être la première posture à laquelle il doit penser et passer au nom de ses, à la tête de ses militants, c'est que lui-même ne peut pas être un projet de société. La suspension de RFI au Burkina Faso était également au cœur des échanges. À en croire Agapit Napoléon Maforikan, la liberté de presse n'est pas l'anarchie de presse. Il estime que l'État burkinabé a le plein droit de suspendre un organe de presse international si les autorités estiment que les contenus de la chaîne ou station peuvent avoir un impact sur le pays. Si le Burkina estime que ce que fait RFI n'est pas de son des objectifs hein, de cohésion et de l'unité nationale, il peut l'interdire. La liberté va avec la responsabilité. Le Burkina est dans une situation particulière. Tout comme la Russie l'était, et l'est. Tout comme l'Ukraine l'est. J'estime que les intérêts supérieurs du Burkina, tout comme les intérêts des Européens, ont permis qu'ils suspendent les médias russes. Pour moi, les intérêts des Burkinabés permettent qu'on puisse
peut-être pour le moment arrêter RFI. J'espère bien qu'ils vont échanger, ils vont négocier, ils vont trouver un terrain d'entente et que ça va reprendre. Mais il ne faudrait pas que parfois vous écoutez ces chaînes internationales et vous avez l'impression que nous sommes encore au temps colonial. Il faut que nous puissions revenir sur Terre. Pour ce qui est du budget de l'État exercice 2023, notamment le montant alloué aux actions sociales, le consultant politique pense que c'est le hautement social qui se poursuit. Le chef de l'État maintient tout simplement le cap.